Et salut tout le monde, c'est Fousine, on se retrouve au 12e épisode de notre survie sur Ark. Donc dans la vidéo précédente, on était allé chercher un artefact, mais malheureusement il avait disparu de la grotte. Il y a eu un bug certainement, on voulait en mettre un deuxième côté de celui-ci et on n'a pas réussi à le trouver. Donc ce qu'on va faire, en fait il y a eu un peu plus d'un mois et demi qui se sont écoulés entre cet épisode et le précédent. Alors se remettre un petit peu dans la survie, mais globalement il y a eu plusieurs mises à jour et on va voir si ces mises à jour ont permis de faire respawn l'artefact. Donc c'est la première chose que l'on va aller faire. On va reprendre le smilodon avec lequel on avait fait la grotte justement la première fois, parce que normalement ça devrait apparaître. Regardez sur la carte, ouais, on va retourner voir. Du coup, il y a eu plusieurs mises à jour. J'espère qu'il n'y a pas eu d'alpha entre-temps qui ont spawn sur le trajet. On verra de toute façon. Au pire, on va assez vite avec un smilodon. On pourra toujours fuir quand même assez vite. Et je pense qu'on va, si on saute suffisamment, on va aller plus vite qu'un raptor alpha. Hop. Ah, on se fait attaquer par des troodons. On va aller plus vite possible pour traverser cette zone un peu plus dangereuse. Et on arrive presque du coup sur la zone de l'artefact. Attention, là il y a des allosaures. Falloir aller assez vite quand même. Hop. Quand même plus dangereux que la dernière fois qu'on était parti en expédition. Il n'y avait pas grand monde sur la route. C'était pris quelques troodons, mais il n'y avait pas d'allosaures, pas de raptor, rien du tout. Là, on s'en sort pas trop mal. On s'est pas fait aggro, donc ça c'est top. Et on arrive du coup au niveau de la grotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un tout petit peu plus longtemps à l'extérieur, parce que la dernière fois on était rentré tout de suite. Et ça se trouve, c'est pour ça qu'il y a eu un bug. C'est qu'on va faire un petit peu le tour, voir s'il y a des dinos intéressants dans les alentours. Hop. Razor 115, c'était pas mal. Pas besoin spécialement. Il y aura un raptor alpha ou quelque chose dans ce coin-là. Souvent des raptors alpha par ici. Si on en trouve un. Prendre un peu de hauteur pour avoir une meilleure visibilité sur les dinos qui est autour. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de Raptor Alpha. Là, je pense que ça a pu préparer la grotte. Donc, on va y aller pour voir si on arrive à trouver le fameux artefact qu'on n'a pas trouvé la dernière fois. Ah, il y a une note explorateur juste ici. Je l'avais pas vu en montant. La note du compi. Voilà. Hop. Du coup, on récupère une nouvelle note explorateur. Elle était juste ici. Allez, du coup, on va aller chercher l'artefact en espérant que cette fois-ci ce sera bon. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a eu plusieurs mises à jour. Normalement, ça devrait être réglé à ce niveau-là. On va aller voir ça tout de suite. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas eu un spawn à nouveau dans la grotte, parce que dans ce cas-là, on va devoir tous les dinosaures qu'il y avait dedans. Et la dernière fois, on a quand même plutôt galéré. Là, on va repartir sur la même opération. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de dino. Il y aura peut-être un petit peu de spawn éventuellement à l'arrivée. Pour l'instant, pas de dino. Tant mieux. Ok, bon, on est tranquille. Et la grande question, ça va être est-ce qu'il y a l'artefact ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir l'artefact. Putain, non, il n'y est pas. Bon, écoutez, bien, on aura une autre tentative plus tard.
Je sais pas pourquoi il n'y est pas celui-ci. J'avoue, pas la solution. Je pensais que ça aurait pu réapparaître. Après, il faut peut-être qu'on récupère d'autres artefacts entre-temps, je sais pas. Ça arrive, celui-ci normalement, toujours présent. C'est la première fois que ça bug comme ça. Donc voilà, du coup, on est retourné à la base après avoir fail du coup deuxième fois l'artefact qui n'a pas spawn au bon endroit. Enfin, qui n'a pas spawn du tout d'ailleurs. Et du coup, on va partir sur une construction de serre. Donc on va prendre les sols, les carrés de culture. On va mettre aussi des armoires et on va prendre de quoi faire l'irrigation au niveau de la base. Tac. Ça, on n'aura peut-être pas besoin de 43 plus. On visait. Voilà. Et on comme ça. Là, on a tout ce qu'il faut. Et du coup, mettre dans l'inventaire ce dont on va avoir besoin. On aura besoin de ce tuyau. C'est le tuyau admission. Il va nous falloir des tuyaux inclinés et des tuyaux droits et ceux-là aussi. Tac, parfait. S'il faut effectivement qu'on commence par poser dalle, du coup, sur un endroit qui soit assez plat, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est d'aller se mettre, si c'est possible, voir, se mettre serre. On pourrait faire peut-être plutôt de l'autre côté. Non, ça va bloquer de ce côté-là. Et ici, ça peut faire pareil. Sinon, on sert un peu plus. Parce que là, on se la met au bord de l'eau ici. Comme ça, on est tranquille. Donc, il faudrait réussir à en poser 10. Et c'est là où je suis pas sûr que ça va passer. C'est pas de ce côté-là. Là, ça passe. Ok. Bon, ça va passer comme ça. Tac. Et le dernier, ça va être la porte d'entrée. Voilà. Si. Voilà, donc là on va voir les cultures qui vont sortir de l'eau directement. Ça c'est plus facile. Ça. Là, normalement, si on met un tuyau incliné. On va pas mettre incliné, on va mettre un vertical. Comme ça, ce sera mieux. Incliné. Même pas, directement. Directement les tuyaux croisés comme ça. Quadriller la zone directement sur les cultures. Ça, c'est simple. Ensuite, on va poser carré de culture. Poser les carrés de culture. En fait, il faudrait d'abord qu'on fasse des murs. Et ensuite, on remplacera peut-être. Voir si on a suffisamment de cristal pour faire des serres. Là, on peut en faire 4 avec les matériaux qu'on. Il va nous manquer du cristal, donc on va accepter. On va prendre les 4 murs. Je vais voir si on n'a pas du cristal caché. Qui est dans le centre d'usinage. Parce que là, c'est ce qui nous manquerait. S'il y en a effectivement 200, on va les prendre. On va les mettre. Établi du coup. Normalement, on va faire un peu plus. De contour qui est du ciment, et là par contre, le ciment, pas sûr qu'il y en avait dans le centre d'usinage. Non, effectivement, il y a du ciment. Ça, c'est pas grave. On est avec la baie des buffaux en récolté. En attendant, on va commencer par placer les 4 premiers murs. Donc, ici, et normalement, dans les baies des buffaux. Non, pas dans les bousiers, pardon. La promenade est activée, donc il devrait pouvoir fabriquer des excréments. C'est un peu le poids. Voilà, donc lui, il en a déjà fait. Et là, il y en a 5 de récupérer. Ils font aussi du pétrole complément, donc top. Il faut qu'on arrive à trouver, pardon, à trouver des excréments. Qui ont peut-être glissé du toit vers le.
Oula, il y a le Quetzal qui est parti là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tant pis, on en a d'autres. On va qu'on trouve et qu'on mette à l'occasion. Ici, pouvoir poser les quatre premiers murs de la verrière. Pour l'instant, on n'a pas assez pour faire mieux. Mais on s'en occupera dès qu'on aura les ressources suffisantes. Et on ici pour faire la verrière. Ça, c'est pas mal. Peut-être juste ici. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et du coup, il faut qu'on a escalé au maximum entre le mur pour poser trois gros carrés de culture. Ça va être petit comme faire une partie d'y arriver. Faudrait pas que ça dépasse de l'autre côté, en fait, c'est ça qui va être le plus chiant. Soit au plus possible. Vraiment à la limite limite ici, le dernier carré culture, il faudrait qu'il passe sa droite possible. Et là par contre j'ai peur qu'il à cause du petit. Ouais, remarque, ça peut passer. Là en fait il y a juste un risque, c'est que on puisse plus fermer la serre, ce qui serait quand même assez embêtant. Et là l'idée c'est de faire la même chose tout le long ici. Maximum des là-dessus, pas mal. Tac, un là-dessus. Là, on est pas mal. Ici, on peut fermer. J'espère qu'on pourra. Et on peut terminer la serre du coup. Pareil, faut que ça passe. Ça va être plus cool. Faire passer ici. Maximum, comme on peut. Je suis pas sûr que l'angle y ferme. Chiant. Voilà. Bon, ça va être limite. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer juste si on dépasse pas énorme. Ouais. Ça peut passer comme ça. Et ensuite, on fera la verrière tout autour. Et ça devrait aller parfaitement. Aussi des graines. Nickel. On va récupérer des gros excréments. Et bah là, on va pouvoir aller en remettre dans les bougies. C'est nickel. Et ensuite, il faut qu'on ait herbivore pour aller faire des graines. Donc là, on a un bougier. C'est intéressant. Tac, du coup, on va mettre les gros excréments. Ça va lui faire un niveau. Et dans le deuxième, on va lui aussi. Donc là, on a 52, 190 en niveau. Et par hasard. Alors, il a déjà des choses dans son inventaire. Il n'a pas les graines qu'on veut. Donc, on va aller lui faire cueillir des baies. Là, il y en a juste ici. Graines de pommes de terre, bah voilà, très bien. Et essayer de d'autres graines. Il faudra qu'on fasse un peu de maïs. Et bon. Instant, on n'a pas les graines qu'il faut. On a juste eu la pomme de terre. Chance pour le coup. De les choper dès le début. Il faut trouver aussi d'autres sortes. Maïs serait top. Ce qu'il y a donc là, il y a pommes de terre. Pour l'instant, on n'a que ça. Intéressant. Et l'inventaire. Et on ici aussi. Graines de carottes. Bah voilà, très bien. Graines de citron. Et ça va être le complément. Voilà, je pense pas mal ce qu'il faut sur l'inventaire. On a graines de pommes de terre, on les a déjà prises, graines de maïs, graines de carottes, graines de citron. Très bien,
Regardez ça. Là, on est très bien. Récupérer aussi, du coup, le matériau. Fabriquer, en fait, la fin de l'irrigation des cultures. Est-ce que c'est... Ici, il faut qu'on fasse une dizaine. Là, on va faire 10, ce sera très bien. Et après, au niveau de l'irrigation, du coup, quand même plutôt pas mal. On fait beaucoup de construction et finalement, pas besoin d'autant de matériaux pour fabriquer ça. Donc, tant mieux, on s'en sort bien. Hop, on va récupérer. Tac. Et on peut aller par hasard, on va le ramener à la base. Pas très très vite, et en plus au niveau du poids, il commence à être assez lourd à cause des constructions qu'on a récupérées. Mais au moins, ce qu'il faut maintenant en graines pour commencer à faire les plantations, les cultures qui vont nous permettre à terme de faire des recettes et d'être un peu plus cheaté, encore une fois, et puis pareil dans le timing des dinos. Si on arrive à faire des kibbles, ça permet de tamer les dinos plus rapidement encore. Donc, on va essayer de le faire. Hop. On va finaliser l'irrigation des cultures. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Il y a un peu tout irrigué. Peut-être en mettre une autre ici. Dernière ici, tranquille, et on va mettre deux armoires ici, ici. Ouais, comme ça on pourra stocker en fait les cultures dans ces armoires-là, ce qui est engrais, etc., qu'on en aura trop. Pour l'instant, on en manque un petit peu, mais ça va pas durer. On va lancer les premières cultures. Donc maïs, on va mettre citron, carotte. Là, les premières cultures. Et on va mettre pommes de terre aussi. Tac, on va placer l'engrais. Et on va jeter les graines qui restent. Déjà planté ce qu'il fallait. Voilà, donc là on est nickel au niveau des plantations. On verra si on plante d'autres choses. Pour l'instant, on n'a pas assez d'engrais pour faire mieux. Mais déjà, on lance un début de culture. Ça, c'est très bien. La base a pris forme. Donc, on met du coup tous les matériaux restants dans l'armoire. Et ensuite, on va prendre un terrain et on va aller faire un peu le tour des largages pour voir si on arrive à trouver des armes légendaires. Ça peut être vraiment top si on arrive à trouver ça. Tac. Après, en ressources, pas mal de pierres du coup et tout ce qu'on a récupéré. Voilà. Normalement, en bas, de pouvoir faire des narcos. Ah non, c'est pas ici. On a mis ça plutôt ici. Voilà, pour faire des pots de narcotiques. Tac, on va en avoir une centaine du coup, grâce à ces cultures-là. Et... Voilà, très bien comme ça, on est parfait. Au niveau du poids, je pense qu'on est bon du coup, vu qu'on l'a posé. On va voir si on peut prendre un des Ptera. Le plus rapide, celui qui a le plus gros niveau. Ptera 228. Hop, au niveau du poids, on est pas mal. On va peut-être poser juste simplement 2-3 affaires dans l'Argentavis. On va poser ça. Tac, tac.
quelques fléchettes et la moitié des flèches narcotiques dans l'Argentavis. Du coup, au niveau du poids, on est encore plus tranquille. Et on va chercher quelques largages légendaires, idéalement, qui se rapprochent un peu plus. Zone difficile pour voir si on peut trouver des choses, des axes, des largages légendaires. Ce serait vraiment top de trouver des armes au maximal. Ça va permettre de maximiser la survie. En fait, ce qu'il nous faudrait, ce serait un fusil à lunettes, comme on a avec les fléchettes narcotiques, qui soient légendaires. Tano, 5 juste ici. On a un largage bleu, un largage vert qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un largage rose par là-bas, ça peut être pas mal. On va aller voir. On va aller voir. Il va falloir qu'on se pose aussi pour récupérer l'énergie. Largage rose, ça peut être des trucs intéressants. C'est plutôt des sels. Parfois des armes pas mal. Donc, tenter. Il est pas près d'arriver. Regardez s'il n'y a pas des dinos intéressants autour. Oser rouge qui est assez sympa. 15. Il doit pas être tout seul. Ouais, effectivement, il y en a deux autres. Son niveau 50 et 5. Par contre, le problème, c'est que l'Allosaur, il est pile à l'endroit du pillage. On va attaquer, pas bouger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Narcotique et un cerveau. Alors, le reste, on s'en fiche. Et le largage presque arrivé. J'espère qu'on va avoir un truc sympa. Voilà, c'est bon, il est arrivé. Alors du coup, pour ravitaillement, on a ça pour un carré, pour schéma de carré de culture. C'était vraiment nul. Bon, j'espère qu'on aura plus de chance sur le prochain largage, parce que là, clairement, on a attendu rien. Oh, il y a un T-Rex juste ici, au 50. Il y a encore des allosaures en dessous. Pas mal de spawn là pour le coup, avec les dernières mises à jour, ça a fait apparaître des assez intéressants. Hop. Bon, est-ce qu'il y a des largages? Bah, il y a un largage. Largage vert, c'est pas terrible. Pas un peu plus. Peut-être un jaune. L'énergie du Ptera, faudrait éviter qu'il se pose zone dangereuse. Se rapprocher un peu du largage vert. Il y a un barrage au caster là sur le côté, ça peut être très intéressant. Barrage au caster pour récupérer ce qui nous manque, du ciment. On va aller regarder si on peut en... Hop. Là, ravitaillement, hop, ravitaillement vert en général, c'est nul. Donc là, effectivement, c'était nul. Et par contre, au niveau du barrage à castor, on va voir si on peut trouver des trucs. Il est assez loin de l'autre côté là-bas.
On s'est fait tuer par un Pegomastax qui nous a piqué la gourde. On s'est fait tuer. On s'est fait attaquer par un Pegomastax. Mais ça c'est bon, c'est réglé. On va aller récupérer le Ptera pour aller chercher du coup le ciment. Ciment qui était dans le barrage, enfin qui est dans le barrage normalement. Il faudra juste s'envoler assez vite pour ne pas se faire attaquer par les castors. On va le poser ici en attendant. Non, il y a des. Non, on va pas le poser ici. On va se faire attaquer. Plutôt le mettre là. Tac. Allez, on va prendre un risque. Ça va pas nous faire tomber dessus. Barrage au castor. Et on va récupérer ciment. Hop. Merde. Et où est le Ptera? Voilà, c'est bon. Ça va, on s'en sort pas trop mal. On va pouvoir s'en aller. Et du coup, on a récupéré pas mal de ciment, ce qui va permettre de terminer éventuellement la serre si on a assez de cristal. Je suis pas sûr qu'on en ait assez. Mais au moins, ça va permettre d'avancer sur la construction. Donc là, il y a un largage bleu qui arrive. Largage vert qui est déjà posé au sol là-bas. D'abord, le largage vert. Non, ça sert à rien, on va perdre du temps. Tout aller par là-bas. Parce qu'en général, les bons largages, c'est plutôt dans ces zones-là. Il y a des légendaires, des largages rouges. Ce qui est vraiment le top du top. Plutôt aller par là-bas. On s'éloigne un peu de la base, mais c'est pas très grave. C'est dans une zone déjà venue pour faire des largages, justement. Là, il y a quelques largages bleus. Pas de largage jaune ou rouge, donc attendre la deuxième vague de spawn de largage pour essayer de faire mieux, enfin de trouver mieux. Se reposer un peu. On a récupéré 234 ciments, du coup. Ça c'est très très bien. Ça va nous faciliter la vie pour les constructions. Il faudra de le faire nous-mêmes. On a récupéré l'énergie, c'est parti. Donc là, il y a un premier largage bleu qui est juste ici. Deuxième, un peu plus loin sur le chemin. Quelle zone? On se rapproche de la zone neige difficile. Alors, on a un schéma de sel mythique de Gallimimus. Donc ça c'est ni bien ni mal pour l'instant, on s'en fout un peu parce qu'on n'en a pas, mais peut-être que dans quelques épisodes on en aura un, ça nous servira peut-être, même si ça demande beaucoup pour construire ça. Hop, ensuite on va aller récupérer celui sur la pointe de l'île là-bas. Là on ira voir sur l'île carnivore tout là-bas au fond si on a à trouver. Merde, l'énergie. Terra, il va falloir qu'on se pose en urgence. J'espère qu'on sera pas attaqué. Ça va. On va pas se faire attaquer, le largage est juste à côté. Faire. Et là en dessous. Tichurnis. Ichthyosaur, pardon. Un petit compi qui nous attaque. Tracé. Jusqu'au largage, j'espère qu'il va pas disparaître juste devant nous. Serait... Allez. Ah. Hop, il passe 20 de ravitaillement. Schéma d'épée. Schéma d'épée tic, ça c'est top, 372 de dégâts. Par contre il faut 2000 lingots de métal. Essayez de miser sur l'épée déjà construite, ce sera plus facile. On trouve une autre note également ici, note de l'Arthroplura tout au bout de l'île. Encore la note sur l'île Carnot là-bas au fond,
C'est assez difficile. On n'est encore jamais allé voir cette île. Il y a énormément de dinos carnivores qui sont sur cette île, qui est très dangereuse. Vous allez trouver des T-Rex, des carnots, des raptors, des smilodons, des argentavis. Enfin bref, c'est un peu l'île la plus difficile en fait, tout simplement. C'est pour ça que t'es pas encore allé, mais là on peut se permettre. On va voir si on trouve des dinos intéressants. On commence à être bien équipé pour aller sur cette île. Vous voyez là, il y a déjà trois argentavis, il y a des scorpions. Ça attaque de partout. Encore des argentavis. Tac, il y a des carnots sur le coin. Il faut bien veiller à l'énergie. Parce que là, si on se fait aggro par les argentavis. Oh, il y a un T-Rex tech. 12 femelles T-Rex tech. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, on va aller rapprocher un peu là-bas. Ah merde, ça. Putain, la poisse, ça disparaît juste devant nous. Pas grave. Hop, là, on rentre dans le tas. Essayer de faire un peu de dégâts. C'est raté, c'est raté. On se fait attaquer. Hop, on va y retourner une fois. Tac. Et on va refaire un passage. Mieux des argentavis. Ouais, c'est dangereux là, ce qu'on a fait. Seul contre 3. Ils nous mettent pas mal de dégâts. Ouah, niveau 130. Ah ouais, il y a des beaux niveaux là. Il y avait un niveau 130. Pas mal. Allez, tac. On va aller se poser sur la pointe là-haut, comme ça on sera tranquille. On va pas attaquer au sol. Voilà. Ouais, on va pouvoir se reposer 2 secondes. Monter un peu l'énergie. Tac. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on fera un peu le tour de cette île et on ira essayer de récupérer l'artefact qui se cache dans la grotte. L'entrée est juste ici. Hop, là il y a l'entrée de la grotte. Il y a un artefact qui est caché. On va essayer de récupérer les notes aussi. On verra si le Ptera peut nous accompagner. Je suis pas sûr que le Ptera pourra venir avec nous. Ça, on verra. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode. Salut tout le monde.